Hey, salut tout le monde, c'est MCXLA et aujourd'hui on se retrouve, oh la caméra bien jolie, en compagnie de Franklin et dans une voiture que j'ai tout simplement volée il y a quelques instants. Donc vous voyez, on se retrouve en plein milieu d'une autoroute, enfin d'une route en tout cas, ça c'est sûr. Et alors aujourd'hui j'ai prévu un tout petit, une visite de la map en quelque sorte, mais pas n'importe comment, une visite aérienne. Donc évidemment c'est pas une visite, voilà, je vais acheter un hélico, je vais le prendre et tout. Non, parce que tout simplement on va aller le voler, l'hélico, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Je crois que c'est par là d'ailleurs. Ça doit être ça. Et on va commencer par enlever la radio aussi. Parce que bah je sais plus comment on fait, voilà, c'est malin. Ah, raccroche le téléphone. Oh, en plus j'ai pris la bonne route, j'ai vraiment du cul. Non, c'est pas ça. Ça doit être ça. Voilà. Je suis vraiment désolé, je vous coupe la radio parce que si jamais il y a une... Si jamais, comme par malheur, hein, parce que toutes les musiques du jeu ne sont pas sous droit d'auteur, mais la plupart, j'ai pas trop envie qu'on supprime la vidéo et tout. Ça me ferait un tout petit peu chier quand même, voire un petit peu plus qu'un tout petit peu. J'espère que vous avez compris la phrase. Donc en gros, on va aller voler un jet privé à l'aéroport. Et on va visiter un peu la map et on va aller se jeter sur une montagne, n'importe laquelle. Et puis après, je sais pas, on verra bien. On verra bien arriver là-bas. Et puis en fait, après je vous demanderai, pour du GTA V ou n'importe quel jeu, qu'est-ce que vous voudriez que je fasse en fait. Genre des défis dans GTA V. Vraiment n'importe quoi dans GTA V, je suis prêt à le relever. N'importe quoi. Sauf si tu me demandes de casser mon jeu. Là, j'ai pas trop envie. Et en plus, je me trompe de route. Mais n'importe quoi dans le jeu, tu me dis, j'essaye de le faire. Et je serais vraiment chaud. Parce que faut un peu que je vous fasse participer. Parce que quand même, on est 51. Et ça, c'est grâce à vous quand même si j'en suis là. C'est un tout petit pas sur YouTube. Mais 51, c'est quand même 51 personnes maintenant. Même si je pense qu'il y en a certains, ils ont deux comptes. Enfin, voilà quoi, mais... On va dire qu'on est à peu près 50, voire 49 personnes, enfin voilà quoi. Il y a du monde, et je pense que ce monde-là peut participer, parce que d'un côté, ces vidéos, je les fais pour vous, et d'un côté aussi pour moi, et qu'est-ce que cette voiture me fonce dedans? Mais mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive à cette voiture? Et donc voilà, donc j'ai pensé à vous faire participer, donc en gros, vous me donnez des défis à faire dans GTA 5. N'importe quoi comme défi. Et par contre, si possible, j'aimerais ne pas mourir. Alors, à moins que tu n'aimes pas rester en vie, je vais te tuer. Voilà. Désolé si j'ai bugué dans mes mots. Et c'est parti. Ouais, sympa cette voiture quand même. Donc là, vous l'aurez compris, on arrive à l'aéroport. Mais nous, ce qu'on veut dans l'aéroport, bah, c'est descendre en bas, quoi. Et comment on fait pour descendre en bas? Bah on descend pas en haut. Ah 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 ah! Pas drôle. Oula, je déconne dans le début. Pardon, j'ai déjà 2 étoiles, je suis même pas entré dans l'aéroport. Vas-y, on rentre par où là? Je sens les amis que cet échec va être un gros échec. Oh là là, faut que j'arrête de dire la merde! Accélère! Et là, mais si j'entre dans l'aéroport et que j'ai déjà 2 étoiles, comment ça se passe? Alors faudrait d'abord que je sois dans l'aéroport, ce qui serait d'abord une bonne chose, parce que j'ai pas vraiment l'impression d'y être. Peut-être parce qu'il est là-bas. Oh non, me dites pas qu'on s'est trompé de route. Je crois que c'est là. Hein. Oh non, les gars. Je serais quand même pas trompé de route. Ah non. C'est ici. Voilà. Nickel. Un jet privé, j'avais dit. Alors, un jet privé, c'est un petit avion à la base. Je sais pas où il y en a. Donc, on va pas se faire chier avec un jet privé. On va prendre ce gros avion. Parce qu'on aime bien dire un avion. Par contre, si vous pouvez éviter de me tirer dessus, ça serait cool. Allez, je vais le prendre, ce navion là. On va vite reprendre la voiture déjà, hein. Et on va vite chercher
un autre avion. Parce que celui-là, on peut planter dedans, ou soit j'y arrive pas. Et bah voilà, le jet privé, c'était pas compliqué. Bon, je vais quand même me décaler, ça serait con d'abîmer la carrosserie de l'avion. Ouais, ça ouvre toi, tape dessus, c'est vrai que ça marche souvent. Allez, recule, recule, recule. Voilà, ferme la porte. On sait jamais si quelqu'un voudrait nous voler. Ça pourrait être dangereux pour nous. Allez, décolle, décolle. 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 Oh my god. Oh, oh my god. Oh, oh my god. Oh my god. Ça les amis, on est en avion. Donc là maintenant bah, je vous fais profiter du paysage pendant un petit moment. En essayant en même temps de m'échapper de ces flics de merde qui sont derrière moi tout simplement. Ouh. Regardez-moi cette vue. Voilà à quoi ressemble la map de GTA 5 les amis. Ouh. Ouh. On va essayer d'aller jusqu'aux montagnes quand même hein, parce que c'est quand même le principal. Voilà. Oui c'est bon. Oh comment la vue elle change. Non. J'ai fait le coin. Voilà, j'ai fait le couillon. Mais ce n'est pas mon dernier mot. Et tout simplement parce qu'on se retrouve dans quelques secondes, encore une fois, à l'aéroport et dans l'avion. Allez, à tout de suite. J'en mets du temps quand même pour me faire réanimer. Ah bah voilà, à tout de suite. Allez c'est reparti. On se retrouve. Ah ne te bloque pas la tête. Mais c'est pas vrai ça. Oh qu'est-ce que j'adore faire de la merde aujourd'hui. Allez c'est parti. On pique. C'est magnifique. Jet privé. En fait il y a un bug. Un Buckingham Chamal. Je sais pas quoi. Génial le nom j'ai envie de dire. On va vite reculer. Elle va pas me foncer dedans, je suis sacal. T'es pas sérieux qu'il me fonce dedans, là. Allez. Allez, c'est parti. On décolle. Wouhou. Oh là là, aujourd'hui, qu'est-ce que je sens. J'ai fait aucune autre prise à part celle-là. Donc, j'ai juste pris le temps. Regardez-moi cette eau magnifique. Donc là, tout à l'heure, vous avez eu une mini-vue de la ville. Dans le jour et là vous pouvez la voir dans la nuit. Donc je vous laisse apprécier les lumières. Regardez comment c'est beau. Rockstar a vraiment fait en sorte qu'on puisse voir de super loin toute la ville et même les montagnes on les voit loin. C'est juste magnifique. Je kiffe. On peut dire qu'ils ont fait du gros travail là, ça y est plus. De ce côté là, je dis pas le contraire. C'est juste magnifique. Quoi. Par contre de temps en temps j'ai l'impression que ça vibre. C'est une sensation bizarre. On va aller vers les montagnes, là. On est enfin arrivé correctement. Ce qui est pas trop tôt, j'ai envie de dire. Ouh. Ah oui, d'accord, c'est quand on commence à trop baisser l'altitude et tout et aller trop vite. Donc là, vous pouvez voir qu'il va vite falloir reprendre l'altitude. Voilà. Donc là, je vous fais un peu du paysage d'ailleurs. Si vous profitez du paysage. Ah faut redescendre. Ah maman pipi caca culotte. Bah évidemment bah faut tourner quoi. Donc là il n'y a pas grand chose à voir. Vous pouvez voir ici de la terre, des cailloux et des sapins de Noël qui sont pas vraiment faits pour Noël. Vous pouvez voir ici une magnifique autoroute. Et si on regarde de l'autre côté de la montagne, on peut encore voir des voitures ici. Là on peut voir la formation de la montagne. Là on peut voir je ne sais ce que c'est pas. Waouh, wow, je suis tellement foncé de ce côté là. Là on peut voir la magnifique ville ici. Parce qu'il faut savoir que la ville prend toute sa place. Oh, c'est magnifique, regardez. D'ailleurs on va faire un screen ici. LOL, je me suis couré. J'ai voulu faire un screen et en fait bah, qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. Oh, magnifique screen. D'ailleurs, on va vite remonter. Et on va d'ailleurs falloir penser à se poser sur une montagne.
pouvoir aussi qu'à là. Ici, je fais un peu visiter. Il y en a, ils vont dire ouais, mais c'est inutile ce que tu fais. Il y en a d'autres qui ont pas le jeu et qui ont envie de voir un peu toute la map. Pas toute, parce que forcément je passe pas par toutes les routes, surtout avec un avion, c'est un peu compliqué. Ah non! Oh là 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 là! Oh là là, que je suis mort! Quel dommage! Et ben là, les amis, on va pas se quitter parce que maintenant, on va aller. Allez, je sais pas. On va prendre un. Comment on appelle ça? Un quad. Et on va monter la montagne. Allez, c'est parti. Donc, si on va se quitter, jusqu'à que je trouve un quad et après, direction la montagne. Allez, à plus. À plus et à dans 2 secondes. Voilà. Et re tout le monde. Donc, on se retrouve devant la maison de Franklin. Donc, là, je vous montre juste comment j'ai personnalisé sa voiture. Et en fait, je me suis dit, un quad, ça va être trop long à chercher, etc. etc. Donc, je vous propose de monter avec ceci. On met bien le casque de protection, c'est très important. Et maintenant on va faire direction une montagne. Là ça va très long. Comment que je vais faire, moi? Bon, on va aller tout simplement là. On va faire un petit bout de chemin ensemble. Si j'arrive à faire ça vite, ce qui m'étonnerait tout simplement. Et pendant le chemin, on va juste en profiter vite fait pour vous parler des prochaines vidéos. Donc, c'est parti. Alors déjà, premièrement, comme je vous ai dit, je vais encore faire des vidéos sur GTA 5, mais pas trop non plus sans m'arrêter. Ma chaîne va pas se transformer en du GTA 5. Ça, c'est hors de question. Et pour les défis, je le répète. Alors, vous regardez la vidéo, si vous aimez bien, vous mettez un j'aime, évidemment. Et en commentaire, vous mettez, bon, j'ai bien aimé, voilà, ce que vous voulez mettre. Et vous mettez un petit défi, n'importe, je sais pas moi, sauter depuis, je sais pas moi, depuis un jet privé dans l'eau, et puis, je sais pas quoi, se faire bouffer un requin en arrivant. Je sais pas, n'importe quoi, vous mettez n'importe quel défi, braquer une banque, jouer à GTA Online. Avec un ami, bon ça c'est pas un défi, mais braquer, je sais pas moi, une banque précise, genre la banque la plus dure du jeu, je sais pas, à vous de voir. Donc en gros, vous mettez en commentaire de cette vidéo le défi que vous voulez me proposer. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Sinon, les prochaines vidéos qu'il y aura, ça, il y aura du SSX. Regardez-moi ce gars là-haut, il est accroché. Attendez, on va l'aider. C'est un faux ou un vrai? Oh mais d'accord, c'est un faux. Pourtant j'avais trop l'impression qu'il bougeait le type. Oh, tu vas te calmer, oui. Le mec qui m'a complètement roulé sur les pieds. Sur les jambes, pardon. Toi tu fais de même, je te jure. Putain, mais ils vont vraiment tous le faire ou quoi là? Tout ce que je veux, c'est ma moto. Est-ce que c'est vraiment trop demandé d'avoir ma moto? Et c'est parti. Donc, apparemment, ce gars, c'est un faux. Alors, je disais, il y aura du SSX en vidéo. Il y aura du Naruto Storm 3. Puis plein d'autres jeux. Il y aura du Need for Speed aussi. Du Need for Speed The Run. Et plein d'autres jeux. Un peu tous les jeux que j'ai sur la Play, en fait. Après, je vais essayer de retourner sur du PC, même si ma carte graphique commence vraiment à devenir vieille. Ça me fait un peu chier quand même. Et puis, il y aura aussi plusieurs vidéos en coopération. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment. Donc, ça fait juste 2 vidéos. Mais 2 vidéos, ça fait une semaine. Ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai pas fait de vidéo en coopération avec d'autres potes, des amis ou d'autres youtubeurs. Et j'entends par là, Jack38, Official Gamer, un ami d'enfance, dont vous devez absolument aller voir sa chaîne, les amis.
lui et moi en fait on est comme deux coéquipiers sur YouTube, on s'aide depuis le tout début de notre aventure. On a fait plein de vidéos ensemble. Dès qu'il y a moyen de discuter ensemble sur Skype, on le fait. Il m'a fait tellement de pub. Je le remercie. Je remercierai jamais assez. Et je suis mort. Je suis dégoûté. Mais c'est pas grave. Absolument, faut lui faire de la pub. Faut partager ses vidéos. Faut aller les regarder. Regardez-les. À mon avis, c'est obligé de vous plaire. Lui aussi, il fait des défis. Mais sur Far Cry. Far Cry, franchement, c'est une bonne idée d'avoir fait des défis dessus. Pas beaucoup de personnes ont eu cette idée-là. Et franchement c'est pas mal. Il a autant de personnes qui le suivent que moi, même une de plus pour l'instant. C'est marrant parfois de se bagarrer entre les deux, mais bon voilà quoi, ça après. Après on respecte les gens qui nous suivent, mais on trouve ça marrant et puis on s'entraide, donc c'est ça le principal. Et donc voilà quoi, faut absolument aller voir sa chaîne. Je vous en supplie. Donc sa chaîne est dans la description. Allez voir, même si vous avez la flemme, vous en foutez. Là, maintenant même, cliquez dans la description. Vous surlignez le lien de sa chaîne. Parce qu'à mon avis, si vous cliquez dessus, je crois que ça va fermer cette fenêtre. Vous le faites maintenant, au pire, vous la mettez de côté. Puis vous regardez dès que cette vidéo est finie. Je vous en supplie. C'est vraiment... Il m'aide vraiment dans mon aventure un peu. Il m'a fait vraiment pas mal de pubs, alors à moi de lui retourner l'appareil, on va dire. Voilà, parce que je trouvais pas le mot dans l'ancienne vidéo. À moi de lui retourner l'appareil, alors je vous en supplie, faites-le. Merci d'avance. Maintenant, j'ai fini de dire que de la merde. Ok, c'est pas de la merde, c'est du sérieux. Et je vous propose d'aller faire du golf. Donc le golf... Ouais, j'ai complètement changé de ce que je voulais faire. Pour ceux qui sont dégoûtés, ben vous êtes dégoûtés ma foi, mais c'est pas de ma faute. Non, c'est un saut unique ça. T'es pas sérieux, c'est trop énorme. Bon bah les amis, on va faire ce saut unique. Et puis après ce saut unique, on va essayer de faire du golf. Tiens. C'est vraiment une vidéo exploration vite fait hein. Franchement là je vous montre du décor quand même, regardez moi les endroits de golf, les terrains de golf sont vraiment sympas. Moi je like, moi, j'adore. Une voiture de golf. Qu'est-ce qu'elle fout là cette bagnole de flic? Ah bah c'est nickel, elle va m'aider à faire le sonic celle-là. Qu'est-ce qu'elle est sympa. Merci les policiers. Tu fais ton malin toi et casse toi de là et c'est parti, on va essayer de faire le saut unique. Dès qu'on fait le saut unique, si on n'est pas viré du golf évidemment, alors là on va se calmer, on va couper les sirènes parce que c'est relou et en direct du saut unique. Easy ma gueule. Oh non, saut unique. Oh, saut unique réussi. Allez, moi, j'en suis à 42. Oui, bah, sauvegardez, oui, évidemment. Et puis voilà, où est l'ouverture du golf? Où es-tu? Je voudrais faire du golf, s'il vous plaît. Normalement, je vais rien pouvoir faire si je suis poursuivi par les flics. Oh, franchement, il commence vraiment à me casser les couilles, ces putains de flics. Je dis franchement, haut et fort, quand ça me saoule. Je vais vite leur mettre la pâtée là, ils pensent vraiment me saouler. Toi, tu tombes de l'hélico s'il te plaît. Je t'aime pas. Ça c'est fait, toi de même. Regardez-moi ces bruitages de professionnels que je vous fais quand même. Appréciez la vidéo, nom de Dieu. On va vite prendre cette bagnole, on va se casser parce que. La porte va se refermer sur toi. Les mecs quoi, course poursuite dans le golf quoi. Non mais allô. C'est juste MDR. Qui a fait ça en vidéo? Qui a fait ça hein? Qui a fait ça en vidéo, une course poursuite dans un golf? Moi je vois. On va essayer de ramener le plus de personnes possible. Alors, franchement là j'ai l'impression de changer tous mes plans, mais c'est une vidéo. On va pas dire faite à l'arrache, mais pratiquement.
En fait, c'est par coup de chance que mon avermédia a bien voulu fonctionner. Parce qu'il fait un peu des siennes en ce moment, mais je crois que j'ai compris. On va foutre la merde. Putain, on va foutre la merde dans le golf. Le gars qui entretient son golf, comme il doit avoir les morts. Et c'est parti. Accélère, on accélère. Oh mon dieu. C'est quoi toutes les voitures de flic? Les gars, il y a au moins 4-5 voitures de flic. C'est juste trop long. Allez, jetez-vous tout seul au bande de boulets. Va. Vraiment tous des boulets. Ah là là, dire qu'ils ont raté leur vie. Mais cherchez pas les gars, j'ai fait plein de balles avant de venir. Donc, c'est pas possible que je m'arrête. Ah voilà, si je tue, regardez, l'hélico il va exploser. BOUM! Alors c'est courant aujourd'hui que même en l'air, si tu tues... Je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Bon. Bon. Tout simplement, je sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne. Mais allez, je suis un fou. Et on va le faire. Je vous donne rendez-vous dès que je suis dans un avion. Et à tout de suite, allez. Et c'est moi en direct de l'avion aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, voilà, je suis juste mort une fois. Donc on va aller sur cette montagne. Ah oui, je suis poursuivi par les flics, donc ils veulent pas me le dire. C'est bien sympa, mais je m'en fous car je sais que c'est par là. Voilà. Mais je crois que c'est par là. Donc on va aller là tout simplement, hein, c'est pas compliqué. Donc en fait, on va je vous ai pas dit, on va monter sur la, on va s'arrêter sur la montagne en jet privé, oui, si j'arrive. On va prendre la moto. On va faire le saut en parachute que je me suis raté l'autre fois. Si ça c'est pas du planning, alors je sais pas quoi vous dire. C'est vrai que au milieu de la vidéo c'était un peu de l'impro. C'était même pas un peu, c'était complètement de l'impro. De se faire choper par les flics en plein milieu du terrain de golf. C'était marrant mais c'était de l'impro. Donc voilà. Donc maintenant, là c'est on va sur la montagne. On se pose en jet privé. On prend une moto qui est en haut de la montagne. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Bah on saute et puis on prend le parachute bien sûr avant, faut pas oublier. Puis après on saute. Voilà voilà. Voilà 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 voilà. Donc là on devrait pas tarder. Arriver vers la montagne, regardez-moi ce paysage, sérieux les gars. Oh là là, c'est pendant. Comment tu commences à pencher mon hélico là? J'aime ça. Wouhou. Et voilà, je commence à chanter Petit Poney, mais non, c'est malin. Ça, c'est délire avec Jack 38, faut pas chercher. Sérieusement, regardez-moi ce paysage, les gars. Les amis, même, parce que j'ai regardé mes pourcentages sur YouTube et il y a quand même 16% de personnes qui me suivent. 16% de filles qui me suivent. C'est quand même un joli, joli pourcent. Ah, regardez cette montagne. Il y a presque que des rochers. À côté de montagne, il y a un petit peu de rochers, mais voilà. C'est pour dire qu'on y voit bien. On va remonter un peu en altitude parce qu'il faut savoir qu'elle est un peu haute, cette montagne. Parce qu'il faut savoir que la montagne où je vais faire le saut, c'est celle-là, là, là. La grosse devant nous. Voilà. Oh, si j'arrive un peu dessus. Là, un jour, il faudra qu'on monte un peu toute la ligne droite, en fait. Pour être un défi, j'ai essayé un jour. Et je me suis scratché, quoi. Ah, parce qu'en fait au bout d'un moment ça devient super compliqué. Regardez moi ces endroits corsés et tout pour monter. C'est hyper chaud quoi. On dirait pas comme ça mais c'est hyper chaud. Bon, je vous dis rien mais on va essayer de se poser. Elle saute de l'avion. Saute de l'avion. Elle saute de l'avion. Oh, j'ai pas été blessé. Les amis, on a réussi l'objectif. Se poser en jet privé sur la montagne.
Si c'est pas beau ça, je sais pas quoi dire. Bon bah toi tu vas continuer à glisser tranquillement. Pendant que nous, on va faire ça en parachute, tout simplement. Oh toi par contre tu vas pas commencer à me saouler hein. Allez casse-toi, ça c'est fait au moins. Ça va être pareil si tu continues à me faire chier comme ça. Et voilà, je vous l'avais dit aussi. Oh là là, mais vous êtes bêtes. Bon, allez là, on va prendre les motos. Ah ouais, mais ça... Je me demande comment elles font quand même ces putains de voitures qui ont été là-haut. Ça me fait bien marrer ça. J'aimerais juste qu'ils me disent comment ils font quoi. Qu'on rigole un peu. Oh non! Il n'y a pas de moto! Je crois que c'est le plus grand foutage de gueule de l'univers, les amis. Non, vous êtes pas sérieux qu'il n'y a pas de moto là. Vas-y, ça a niqué tout mon défi! Ça a niqué tout mon défi! Et ben, vous savez quoi, les amis? On va sauter tout simplement de là. On va monter là-haut. Ah lol, casse-toi. Wouhou! I believe I can fight. Ça doit faire mal, mais moi, j'ai rien senti. J'ai envie de dire que c'est l'essentiel. Et voilà les amis, on finit cette vidéo en beauté. Avec un hélico qui nous pourchasse par derrière. Et une magnifique vue. D'une partie de Los Santos. De la map de Los Santos de GTA 5. En tout cas, j'espère moi que vous aurez apprécié cette vidéo. En tout cas, merci à vous en tout cas pour avoir dépassé les 50 abonnés. Vous êtes géniaux. N'oubliez pas de rejoindre, d'aller voir la chaîne de Jack38 dans la description. Hein. Vous regardez la description. Hein. Je vous le demande. Et puis bah de lâcher un com pour un nouveau défi sur GTA 5. Et puis voilà, moi je vous fais de gros bisous, likez, commentez, partagez Facebook et Twitter dans la description, n'oubliez pas, hein, surtout Twitter et Facebook, bah après voilà, même si je tout, et même si je mets pas beaucoup de statuts sur Facebook. Bon, en tout cas, Twitter les amis, Twitter et Facebook dans la description, vous cliquez sur le lien tout simplement, il y a rien de plus facile. Et puis voilà, on va atterrir en beauté. Et moi c'est bien la première vidéo où on va pas crever. Lol. Ouais les amis, je vous kiffe. Salut tout le monde. Bisous.